Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre partie sur Age of Empires 2 HD Edition, toujours avec les Britanniques bien entendu. Donc on se retrouve, moi je continue hein, par rapport à la dernière session, la dernière vidéo que vous avez vue sur Age of Empires. Je continue, je sais pas si je pourrais finir la partie d'une seule traite de mon côté, mais ouais. Ouais. On a fait ça, on va développer les champions. Développer un peu tout ça, j'aimerais bien développer ça, mais voilà, j'aurais sûrement un petit peu court au niveau de la bouffe. On a une économie qui est bien lancée, qu'on a vu à l'épisode précédent. Enfin, des trébuchets qui coûtent très très cher. Mais bon, on a ce qu'il faut au niveau de l'or, hein. Il est toujours vivant, lui. Mais tu es incroyable. Tu vas venir jusqu'ici. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a à côté de moi. Ici, il y a des baies. Il y a encore des baies par ici. Il y a le bleu qui est là. Je pense que le bleu, c'est le premier qu'on va les cartonner. C'est con, c'est le plus fort. Ah, on est passé premier. Voilà, hop. Dans une fraction de seconde, on peut passer premier. Parce qu'on vient de tuer un mec. Développer les champions. Donc il faut 850 et 850, ça coûte ultra cher. Mais il nous faut cette amélioration. Voilà, on a nos champions. Ils sont là, ils sont prêts au combat. On a nos archers, on en a pas assez bien entendu. Il nous en faudrait le double pour aller bien, mais... Voilà. Le double, ça me paraît pas trop mal pour commencer. Avec 4 trébuchés, ça devrait être bon. 3 moines, ça devrait suffire. Et on sera paré pour commencer notre annihilation totale. Ici, on en a une dizaine, il en faudrait une 10 de plus. Pareil. Mais ça coûte une blinde. Lui, il est tout seul, le pauvre. Surveille que les ouvriers ne font pas rien parce que là on va commencer à être un petit peu juste au niveau des habitations. On peut aussi faire une merveille accessoirement, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose hein, si vous voulez mon avis. J'ai jamais trouvé que les merveilles dans ce jeu servaient à grand chose. Si tu veux cramer des ressources parce que t'en as trop. Si tu veux faire ça, oui, là ça, c'est valide là, mais sinon je trouve pas que c'est beaucoup d'intérêt. Fait toute l'amélioration possible, j'utilise pas de l'atelier de siège hein, parce que je m'en contrefous de l'atelier de siège. Je préfère largement les trébuchets qui sont bien plus efficaces. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça serait pas très très utile, on peut améliorer les tours. Voilà, continue à construire. Voilà, on peut jusqu'à 500 d'habitants, donc on peut quand même envoyer du pâté. C'est totalement énorme d'ailleurs, 500 habitants. Dans le jeu de base, il me semble qu'on était limité à une centaine ou à 200, je crois. Maximum, c'était. Ah tiens, on peut faire un truc au camp de bûcheron. Je ne l'avais pas vu. Bon voilà, on a nos 20 archers. Hop, tir à distance. On peut faire, voilà, les archers d'élite. L'unité spéciale britannique. Ah, il y en a un autre qui est progressé vers l'âge impérial. Qui sait, c'est le bleu, le vert pardon, pour moi. Est-ce qu'on a du fric à cramer? Oui. Je veux bien 2 moines de plus. Tu me les envoies ici, tu seras mignon. Bon, physiquement, ils vont pas changer nos fantassins, mais enfin, nos archers. Mais je peux vous assurer que ça fait mal quand tu prends ça dans les dents. Hein. Quand tu prends des archers comme ça, ils font beaucoup de dégâts quand même. Pour des archers. Hein.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Cause ça, on s'en fout. Voilà, ça c'est utile. Conscription, ça c'est bien. 1000 points de vie, ça c'est bien. Il faut de l'or. Voilà, conscription, ça c'est pratique. Il faut de l'or pour les faire, ouais. Alors les petites unités comme ça sont pratiques, mais moi je les utilise pas. J'utilise que les plus grosses unités. On a le bleu qui est là. Bon, alors attends, on va plutôt prendre celui-là. Voilà, on a nos petits moines. Hop, les moines qui sont en 4, qui servent d'unité de guérison. Voilà, le bleu qui est en train de nous observer. Et on est passé premier, hein, premier au niveau des points. Donc finalement, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On a ça, mais ça coûte trop cher. Il nous faudrait ça, ça serait bien. Bon, de toute façon, il va mourir dans pas longtemps. Voilà. Est-ce qu'on peut pas vendre des trucs, de la pierre peut-être? Ça m'embête toujours un peu de vendre de la pierre parce que... Putain, en plus le reste ça vaut rien quoi. Ça m'embête toujours de vendre de la pierre parce que la pierre c'est un truc qui est... voilà, on peut épuiser la pierre, toute la pierre qu'il y a sur la map. Tu peux épuiser toute la pierre, mais épuiser tout le bois quand même, il faut y aller quand même comme un cochon. Même je me souviens sur une des premières maps de tuto du jeu, je me souviens je m'étais amusé à... à bouffer tout le bois qu'il y avait sur la map. À la fin de la map, eh bien, c'est une map en fait, il fallait que tu développes une certaine technologie. Donc il fallait que tu sortes 4 unités dans le tuto. 4 unités comme ça de base. Mais tu pouvais aller à n'importe quel âge, faire tout ce que tu voulais. T'avais toutes les technologies débloquées. Mais il suffisait juste en fait de faire 4 unités comme ça et t'avais fini la partie. Et moi j'avais continué, j'étais à l'âge impérial, j'avais des châteaux partout. Et j'avais totalement rasé toute la forêt de la partie. Et là, ouais, on va pas avoir assez pour faire beaucoup de trébuchets, mais il m'en faut au moins 4 ou 5 pour être bien efficace comme il faut. Et on est en manque d'or, on est en galère d'or, pourtant on a beaucoup de monde qui travaille sur l'or. Hein. On a 8 mineurs juste sur l'or, donc... Oh, merde. On va tous venir ici. Et on va faire. Voilà. Hop, ça, c'est 3. Les trébuchés, quelle unité incroyable! Quelle unité incroyable! La chimie, on n'a pas vraiment besoin. Les Français en ont besoin de la chimie, mais pas nous. Ça non, on va pas le faire parce qu'on n'utilise pas de cavalerie moi. Allez, pétez lui sa gueule. Voilà. On va le buter d'ailleurs. Voilà, hop, un petit coup. Une petite pluie de flèche. On est pas mal au niveau des ressources. Hein. On galère un petit peu au niveau du bois, mais c'est normal parce qu'on a... On a traînaillé un peu. Au niveau de la pierre, on n'a plus rien ici. On va aller aider lui. Et je pense pas qu'on en ait d'autres. Hein. D'où ma réticence à pas trop vendre la pierre. Parce que même si on en a pas mal, ça peut toujours servir. Pouvoir commencer à attaquer dans pas très très longtemps. Voilà. Juste ça et ça devrait suffire pour faire des quelques premiers assauts. Au moins aller se tester un petit peu. Merde.
reste que ça, mais... Si ça sert pour l'infanterie aussi, donc on va le prendre. Allez, un autre, ça serait bien. Merde, j'ai combien? J'ai pas assez d'or, merde. Donc un tout petit peu. Et on va pouvoir commencer à rouler sur tout le monde. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un éclaireur par ici. Qui va aller un petit peu sonder le secteur par là. Parce que du coup, je vais être quand même assez vulnérable. Ça a des unités. C'est des unités spéciales byzantines, ça il me semble. Ah, les Turcs aussi. Je me souviens que les Turcs sont pas mal aussi dans les Age of Empires. Hop, ils vont le soigner. Là, en parlant de ça, il faut que j'améliore les soins. Ça, c'est bien. Ça, on s'en fout. Juste 3 points de conversion, on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est bien. Il nous faut ça, ferveur. Ça nous aidera à déplacer notre groupe de moines un peu plus rapidement. Allez. Voilà. On a nos 20 champions et nos 20 fantassins. Nos 20 archers. Nos 5 trébuchés. Ça devrait quand même largement suffire, 5. Et... Hop, en 4, en groupe 4, on se met les moines et on va partir. On va peut-être se... Je me rajouterai bien peut-être une dizaine de fantassins de plus, une dizaine d'archers de plus. De manière d'être sûr. Et si on peut aussi mettre les 5 champions de plus, ça devrait quand même aller. On est quand même assez costaud, faut pas déconner. Quand tu prends une pluie de flèches des archers anglais. Tu le sens passer. Tu le sens passer. Ils font super mal, les archers. Alors, tout le monde est à l'âge impérial. Qu'est-ce qui est mort? Voilà, hop. Ouais, ça devrait quand même aller déjà pour commencer. Voilà, mais on est en train de mettre une mine à tous les autres derrière maintenant. Au niveau du score, alors qu'on n'a même pas commencé à faire la guerre. On va améliorer les bâtiments maintenant. Les moines, ils sont comment? On a un petit peu de thunes. Ça c'est bien, mais ça coûte très très cher. C'est très très bien. On va vendre un peu de nourriture. Allez, 1000. Voilà. La foi, parce que ça c'est le pire truc qui peut nous arriver, se faire convertir des unités. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est paré. On a largement de quoi attaquer. Et on va partir dans la phase offensive. On a nos groupes qui sont prêts. C'est parfait. On est parti. C'est parti pour le bleu. On va faire... non, même pas de formation. C'est quoi ça? Déplacement offensif. C'est un truc qui n'existait pas avant, ça. C'est un truc qui a dû être rajouté dans l'édition... La remix HD là, parce que c'est un déplacement passif, ça n'existait pas. Enfin, j'ai pas le souvenir que ça y était en tout cas. Les moines, c'est chiant, ils se déplacent pas très très vite. Va leur faire augmenter leur santé. Ça c'est bien. Mmh.
Les trébuchets aussi, il faut qu'ils soient beaucoup protégés. C'est des unités très très sensibles au corps à corps, mais tellement puissantes à distance. Meilleures unités de siège. Après, vous... c'est vrai qu'il y a les Français dans... qui sont pas... quand même pas trop trop mal parce qu'ils ont beaucoup d'unités de type bombardier avec les canons là qui se déplacent. Assez... Non, les Français, non, c'est pas les Français qui ont ça, merde. Je déconne, c'est qui a ça déjà? Je me souviens plus. Non, les Français, ils ont les lanceurs de hache dans les chauffes empires. Qui sont, moi je trouve pas terribles. Hein. Je les trouve pas terribles du tout, les lanceurs de hache. Si vous voulez mon avis, ils ont pas hérité des meilleures unités. On est bien, mais on a notre infanterie qui se déplace beaucoup plus vite que les autres. Donc, et ça, c'est pas cool. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Est-ce qu'on peut pas améliorer un petit peu? Ça, c'est bien. Expert en siège, ça nous sera très utile. Peut-être ça, si on a besoin de convertir en au cas où. Ça pour augmenter les points de vie du château. Ça peut servir en cas de défense. Ah, ils sont déjà en train d'attaquer, les gars. Calmez votre sexe. Ils vont pas tarder à arriver, les autres. On se calme le sexe, les enfants. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça fait quand même assez mal. Face à des chameliers, hein, ils font pas grand chose. En plus, avec les médecins derrière qui. Enfin, les médecins, les moines qui vont soigner derrière. Voilà. Et les trébuchets qui défoncent tout. Vérifier qu'on perd pas trop d'unités. Voilà, hop, on soigne nos unités tranquillement. Faire partir nos archers. Hop là. Raté. Hop là. Voilà. Ils sont ultra puissants ces archers, c'est un truc de malade mental. Voilà, hop, deux rafales de flèches. Après, c'est. Je trouve que les. L'ordinateur, il fait quand même un petit peu souvent la même chose là. Oula, ils sont en train de rater toutes leurs flèches. Le mec, il a la chance de sa vie, tu sais. Hop, on est quand même assez bien placé au milieu. Les moines en plein milieu. On va placer ça par ici. On va être idéalement placé. Hop, on va lancer les trébuchets. Et maintenant c'est fini. Il va manger un sale coup dans sa gueule avec ça. Tiens, j'ai pas les trucs enflammés. Trébuchet, tire pas les trucs enflammés? Non. Voilà, 5 trébuchets, ça fait carrément mal hein, dans les dents. Parce que je dois pas avoir la chimie ou un truc comme ça. Ouais, il est totalement en train de sombrer, le garçon. Ils sont tellement ultimes, les archers britanniques. Truc de malade. On va continuer à avancer. Ils ont sûrement probablement un château. Ouais, ils sont en train de défendre un petit peu leur zone. Les archers, ils font tout. Ils font tout. On va détruire leur forum pour être tranquille. Oh d'accord, ils ont toute leur armée là, ils restent comme ça. On va les poutrer comme ça alors, hein, s'ils bougent pas. Ils ont l'air un petit peu buggés là quand même. Hein. On va courir de l'autre côté. Hop.
Pauvre petite civile qui est en train de manger. On avance un petit peu. Ils peuvent absolument rien faire. On va les monter un petit peu eux, parce que j'ai un petit peu de protéger mes trébuchets au cas où. Mais directement il y a les moines qui sont derrière, donc c'est la combinaison fantastique ça. On va leur détruire ça parce qu'ils utilisent beaucoup d'infanterie comme d'habitude. Beaucoup de cavalerie pardon. Là c'est un peu loin, ils ont une relique. Ça va être intéressant d'aller piquer les reliques. Hop, on va remplir les trébuchets. On va partir en expédition un petit peu avec les archers. Hop là. Tu prends 20 flashs dans la gueule. Voilà. Ils sont tellement puissants. Ils vont essayer de tout reconstruire, hein, comme d'habitude, mais bon. Si on arrive à les poutrer assez rapidement. Ben là, je pense qu'il doit avoir encore un château. Priorité à défendre les trébuchets. Ça coûte une blinde, donc... pas le genre de truc que j'aime perdre. Il doit avoir un château par là. Ah, on a une ferme épuisée. Hop, on va balancer nos trébuchets, ça veut dire que... il n'a pas encore abandonné. Hop là. On va balancer tout ça parce que là on commence à avoir une économie tellement monstrueuse. Ouais, il y a une relique ici. On va la récupérer la relique en passant. Il est en train de sombrer au niveau du score. Et nous on est en train de monter au niveau du score. Comment ils le missent quoi. Limite ils font exprès quoi. On va faire, on va peut-être juste s'améliorer la cavalerie pour pouvoir avancer un peu par là. Il doit avoir un château quelque part. Bah tiens, ils ont fait un autre forum par ici. On va se faire une ou deux cavaleries comme ça. On va faire la chimie. Et on a des ouvriers qui ne font rien. C'était ceux qui s'occupaient de la pierre. Ah bah j'en ai un ici. Voilà, et je n'ai plus de pierre à disposition. Avant l'immédiat. Donc bah, vous allez travailler sur l'or. Je veux savoir qu'est-ce qui se cache par là. Ils font pas de... je comprends pas pourquoi ils font pas d'unité d'infanterie. Voilà, hop. Il abandonne pas toujours. Hein. Si tu lui tues tous les...
Ouais, il est sérieusement pas bien là, moi qu'il ait eu un moyen pour se remettre debout, mais il doit avoir dans le nord, voilà. C'est ce qui me semblait. Il doit avoir un château par-ci par-là. Je passe à côté, tu sais. Non, bah ils sont juste là, mais c'est génial. En fait, ils sont juste à côté, quoi. Ils sont juste à côté, quoi. Non, non, on va pas t'amuser à les taper. Non, on va pas t'amuser non plus à les taper. Toi, tu te mets comme ça, en mode... Ah bah voilà, hop. C'est ça qu'on voulait. Bah tiens, ils nous balancent un bélier dans la gueule, quoi. Le mec, il a pas compris comment ça marchait. Ah d'accord, ils font une armée de béliers. C'est un concept, effectivement. Pas très efficace contre nos unités, mais... Bah, tu sais quoi, on va l'embêter un peu, hein. On va lui attaquer ses béliers. Ça y est, on a les flèches en feu. Hop, pour pouvoir aller jusqu'à là. Ouais, ils nous attaquent pas, hein, on est à côté, mais... On est toujours en neutre? Non, non, tout le monde est en ennemi, mais... Je comprends pas pourquoi il m'attaque pas, mais... Toi, il est pas considéré comme étant éliminé, hein, donc... Moi, je le lâche pas, moi. Je le lâche pas. Ils ont réussi à en péter. Et il vient m'attaquer mes pauvres unités de cavalerie, quoi. Voilà, viens mourir. On va faire un petit groupe 5. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose par là. Ça va être le groupe d'éclaireurs. Et bien, on va aller finir. Hop. Ouais, ils vont là. On va les finir. Alors, je sais pas où est-ce qu'il les a mis les autres. Bah, ils sont là. On peut les poutrer facilement avec ça. Putain, le mec il a une ruique sur lui, il se dépasse plus rapidement que les autres. Ouais, je crois que... C'est fini pour le bleu. Abandonne, garçon, abandonne. Ils ont tendance comme ça à foutre plein de bâtiments à gauche, à droite, comme ça, là. Bien pour te faire chier. Hop, on va attaquer directement ça parce que... ouais, plutôt défensif. Voilà, moi je vais viser le château. Voilà, il a abandonné, on va quand même par sécurité lui poutrer son château. Alors il est détruit automatiquement, je crois, je me souviens même plus. Parce que d'habitude je leur casse le château et puis c'est après qu'ils abandonnent. Voilà, il a déjà pété le château. Allez, au suivant. Mes petits éclaireurs vont un petit peu m'indiquer la route. C'est qui le suivant? Avant qu'on fasse le vert directement. Je sais pas où est le jaune, mais je sais que le vert il est là et je pourrais repasser et déposer la relique chez moi en passant. Je sais même pas si on a perdu des unités. Ah, le jaune est là. Le jaune est effectivement là, on va essayer de découvrir un
maximum de zones. On s'en fout si on les perd, hein. Le but c'est pas de les garder en vie. Dans le jaune, il a fait quand même pas mal d'unités, hein. C'est un français. Bon, pareil, il a fait toujours que de la cavalerie. Il fait des petits béliers comme ça qui servent absolument à rien. Surtout, c'est pour attaquer, ok, mais là, il les a pas en mode attaque, quoi. Type, il défend avec des béliers, quoi. Bon, là, on va les perdre, hein. On va les perdre, mais c'était pas le but. Ils sont plus rapides que le mien. Ouais, c'est possible. J'ai peut-être pas fait toutes les technologies, notamment ça. Par rapport aux cavaleries, hein, j'ai pas utilisé. On va se garder le jaune pour la fin, je crois. Je crois qu'on va se garder le jaune pour la fin. Il va très certainement mourir, le pauvre. Ah. On a plus d'or. On a plus d'or. C'est bon, il est mort. Il est mort. Bon, bah, les archers sont déjà là. C'est lequel qui a la relique? Toi, tu vas la déposer là. Ça, on s'en fout parce qu'on met pas d'unité en garnison. Pour l'instant, notre technique a marché très très bien. Alors, bon, on n'a pas vraiment de raison de s'embêter plus que ça. Hein. On n'a pas de grosse forêt quand même. Hein. On n'a que des bouts de forêt. Il est où? Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais mon moine. On va balancer plein de champs, comme ça on sera pas embêté. Est-ce qu'on recharge un petit peu? Non, on est très très bien là au niveau des unités. Ah, on a le vert qui est venu empiéter sur notre territoire. Ça me plaît pas du tout. Il vient pas chez moi. Hop. Allez. Et il est en train d'essayer de bouffer là. On va mettre lui en raccourci 5. C'est bon, il a posé la relique. Il a posé la relique. Allez, observer un petit peu qu'est-ce qu'il y a par ici. Voilà. Bon, on va y les trébucher parce que sinon ils vont mettre 150 ans et péter deux petits bâtiments. Ah, on a trouvé le château. Le deuxième, hein, parce qu'il y en avait un. Il y en avait déjà un là, voilà. Et voilà, lui il est dans les piquiers, lui. Il est dans les piquiers, ce pauvre garçon. Ça va pas l'arranger. C'est qui est décédé? C'était lequel? C'était le Turc qui est décédé, ouais, le Turc. Le Turc, il me semble qu'il a des unités d'armes à feu, non? Ouais, il a un petit peu des unités comme ça, par-ci, par-là, d'infanterie classique. Rien de bien méchant, quoi. C'est bon? C'est bon. Allez, on avance. En plus, la première chose qu'on va choper, c'est un château. Voilà, on a
plus de pierres, mais sauf que là on en a trouvé un petit peu ici. Ils ont quand même bien bouffé la carrière, ces salauds. On va se mettre comme ça, on va demander d'attaquer le château. Toujours sans prendre de risque, hein, toujours. L'avantage des trébuchés, c'est qu'ils ont une portée supérieure au château. Ah bah tiens. Oh, viens par ici, tu vas voir. Tu vas voir un peu si tu m'attaques encore. Voilà, ils ont une portée très supérieure au château. Donc ça fait que du coup, bah, si tu mets des trébuchés et que t'avances pas trop ton infanterie, et bah, tu poutres. Voilà. On va perdre quoi, on a perdu quelques unités. Pas plus de boulot là, parce qu'il y a des unités à distance là. Hop. Ils font pas le poids face à nous. Voilà, on va soigner un petit peu nos unités. On a quand même perdu pas mal de champions. C'est pas trop grave, on n'a pas perdu de... d'unité indispensable. On va se relancer une petite production. Une petite dizaine. Ouais, ça devrait aller. Plus encore une petite dizaine aussi de Parquelon. Manière d'être encore plus incisif dans nos assauts. Et on continue d'avancer. Pas faire grand chose, hein. Bon, aussi là, on prendre. Hop. Hop, allez, on va faire avancer un peu tout ça. Le centre de la ville est là, il y a un deuxième château, donc on va passer en plein milieu. Sans aucune forme de finesse. C'est une combinaison totalement ultime, ça. Ça marche avec toutes les civilisations, finalement. Pour peu que vous ayez une civilisation qui soit orientée... Merde, j'ai peut-être un petit peu trop fait avancer mes trébuchés. J'ai du bol qui m'ait pas visé mes trébuchés en premier. Hop, on va se mettre là. Et on va balancer les trébuchés. Voilà. Et là, il devrait avoir une bonne vue pour pouvoir casser pas mal de trucs autour d'eux. Voilà. Faire un petit peu le vide. Beaucoup d'ennemis par là. C'est possible qu'on perde des unités. Ouais. On va battre un petit peu en traite. Ouh ouais, on s'est pris une sérieuse déroute.
Donc on va balancer. On va faire la même. Ouais. Et on va perdre nos trébuchets, malheureusement. On va malheureusement perdre nos trébuchets. On a pris une déroute. Ils ont été trop forts. Notre combinaison ultime n'a pas été assez forte. Est-ce qu'on va pouvoir les sauver? Je pense pas. Je pense pas qu'on pourra en sauver beaucoup. Allez, ça serait bien d'en sauver. Je pense qu'on va en, voilà, on perdra de plus. Ils sont costauds les cataractes, enfin ces unités là. C'est à cause d'eux sûrement qu'on a. Ça fait perdre, bah, c'est des unités d'élite aussi. Bon. On n'a pas perdu tout. On a perdu beaucoup, mais pas tout. On va refaire nos petits groupes. Bon, une petite déroute de temps en temps, ça fait toujours, hein. Ça fait toujours chier. Qui c'est? C'est le vert là qui vient m'emmerder. On pourrait faire un deuxième château pour maximiser la vitesse de production des unités. C'est con qu'on ait perdu autant de trébuchets, quoi. On a quand même sauvé deux, c'est toujours ça. Voilà, on a quasiment retrouvé le même nombre d'unités qu'avant. Là, ils ont des unités de cavalerie qui sont quand même pas mal costauds, donc. Qui semblent plutôt balèzes. Mais on viendra. On viendra. On pourrait nous aussi utiliser des unités. Des unités d'infanterie fortes, mais bon. On pourrait les utiliser en complément. 4 trébuchets, on en aura 6. Ça devrait largement suffire, 6. Et on fera peut-être. Un truc comme ça de plus. D'accord, ils ont déjà rasé la forêt ici. Hop. On va lui dire aussi d'aller couper du bois par là. Son chiant, c'est saloperie de loup. Voilà, on commence à avoir pas mal d'unités. Voilà, on est plutôt pas mal. On a 4 ici. Plus 1 là. 2 ici. Plus là. Voilà. On va attendre de faire toutes nos unités. Et on va pouvoir repartir à l'assaut. Cette fois-ci un peu mieux équipé. On va peut-être se munir de chevaliers. Un bon petit paquet pour pas être emmerdé. Qu'on ajoutera à l'infanterie. Mandatum.
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archers. D'accord, ouais, il n'y aura plus d'infanterie de plus, donc on va partir par là, l'infanterie. Hop. Voilà, si trébucher, on arrive un peu plus, un peu mieux équipé. Voilà, on a quand même beaucoup d'archers. On a quand même sérieusement augmenté le nombre des archers qu'on avait. Il est venu mettre ses trucs par là, lui. On va attendre qu'il fasse nos petits chevaliers. On peut faire ça aussi, mais on va pas s'amuser à cramer des thunes pour rien. Ça permet en fait de voir tout ce que tout le monde voit. Ah, ils ont eu raison de nous. Franchement, ça m'embête un peu. Mais là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. On va associer à l'infanterie la cavalerie qu'il y a là. Et là, on devrait être... avoir une attaque plutôt intéressante. Voilà, ils sont là, ils sont juste à côté. Ça y est, ça va commencer, ça va commencer, c'est parti. C'est parti, ça commence. On va bien mettre nos unités là en... On commence déjà à perdre des unités. Ça va, ça va. Ça va mieux. Ça va mieux, on a bien résisté à l'assaut. Hop. D'augmente encore le nombre de... d'unités. Et je pense pas qu'on ait perdu d'unités encore. Je sais pas combien on a d'archers, mais on en a un bon paquet là. Je les mets pas en mode, je les mets seulement en mode défense et pas en mode, enfin en mode, voilà, tenir, faire face, c'est-à-dire tenir la position, parce que sinon si tu les mets en défensif, ils vont suivre les ennemis et ça j'aime pas tellement, ça peut être très embêtant. Voilà, par contre avec 6 trébuchés ça va aller vite, hein. Péter les bâtiments ça va aller très très vite. Bon, je vois qu'il est... Ça fait 48 minutes, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode, ce deuxième épisode, sur cette partie, sur Age of Empires 2, HD Edition avec les Britanniques. Donc voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, si c'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette partie sur Age of Empires 2. Allez, ciao!